je suis le professeur Françoise Denoyel, je suis chef de service du service d'ORL pédiatrique et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Necker. Et au sein de la filière, je suis responsable de la cellule médico-sociale, co-coordinatrice, on va dire, du centre de référence maladies rares, malformations ORL rares, MALO, donc qui est un des centres de référence de la filière, mais au renouvellement demandé de ce centre, puisque les renouvellements sont en cours, je serai responsable également de ce centre de référence maladies rares. Alors, cette journée de la filière s'est pour nous très bien déroulée, donc il y avait une partie le matin qui était consacrée au fonctionnement de la filière avec plusieurs présentations, et l'après-midi donc des réunions qui concernaient plutôt le centre de référence maladies rares. Nous, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'échanges avec tous les responsables de centres de compétences en province. Et nous avions également invité des personnes qui étaient des spécialistes d'ORL pédiatrique dans des villes où on n'avait pas encore de centres de compétences, mais on pensait qu'on allait les intégrer dans le futur réseau de CRMR MALO. Et donc, ça a été très intéressant de discuter avec chaque centre de compétences de leur mode de fonctionnement, de leur transition enfant-adulte pour préparer justement la demande de renouvellement de la filière, et puis d'être tous d'accord sur le fait d'associer 4 nouveaux centres de compétences maladies rares, dont avec 2 jeunes chirurgiens ORL pédiatriques, enfin jeunes mais bien formés, titulaires et que tout le monde connaît, et qui sont très impliqués dans l'ORL pédiatrique de pointe et donc qui sont à même de diriger un centre de compétences. Et donc ça nous a permis de rajouter 4 centres de compétences à notre réseau, et en tout cas dans la demande qu'on est en train de faire, et de couvrir comme ça tout le territoire, y compris d'ailleurs un centre de compétences qui est aux Antilles, et donc on couvre mieux le territoire sur ce plan. Il y a longtemps qu'on avait besoin de se rencontrer comme ça au sein de notre réseau. Découvrez la cartographie de l'offre de soins sur notre site internet. Et retrouvez les associations, les professionnels de santé et les représentants des pouvoirs publics en suivant notre série TEDCOO Live.